Ah, vous êtes vraiment des sacs à merde. Ouais. Allez, bonjour, attends, ton tube. Dites bonjour à ton tube, bordel. Oh, ils sont dissidents, quoi. Et la prochaine fois, vous irez voir ça sur le Dream H27. Tiens, il y a les rediffs sur ton Dream à la con, là. Il y a des... Non, pour l'instant, il y a pas de... Il y en a eu un, et il est parti. Non, mais il y a des rediffs, je m'en fous de tes viewers. Rediffs. Est-ce qu'on peut voir tes... Ah, des rediffs. Mais bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà, parce que vous pourrez aller voir les entrées épisodes où ça se marre bien. Moi pas, parce que je suis mort, mais les autres, ils se marrent bien. Amusez-vous bien. C'est gentil, parce que... messieurs, je compte sur vous pour faire l'épisode. Non mais c'est le principe de précaution. Oh, il... Poète. Comme disent les anglais, poète. Better safe than sorry. Bon, bah moi je vais creuser là. Ce qui aurait été marrant, c'est que le Nitra soit piégé. Ah non, et par contre, non mais le pistolet du... Il faut qu'il fasse quelque chose pour le pistolet du mineur. Hein. Parce que ça explose même pas une petite merde du premier coup, quoi. Ça ne one-shot pas une merdouille. Vous voyez, aussi... Non, il est one-shot. C'est bah la merde, mais le principe c'est que c'est une arme de poing, quoi. Non mais là c'est plus une arme de poing là, tu me files enfin je fais plus de dégâts à la pioche. Ça a aucun intérêt. Alors ouais mais bon, donne-moi un caillou, je ferai plus de dégâts, quoi. Là c'est ridicule en fait. Ça serait bien de rester groupé. Ouais, restons groupés. Hein. Bah la seule chance de rester groupé c'est de tuer le Dreamer parce qu'il a pas de silence. Oui, parce que Dreamer c'est la dissidence absolue, quoi. Il a un minéral à l'autre bout de la cave, il va y aller. Il a reniflé un minéral. Qu'est-ce qu'on se prend une... Alors attendez, attendez, il y a deux, voilà. Ah là, bon, on va là, on est bien. Là déjà, on a une belle cave à... Déjà, il y a de l'or ici. Ça c'est bon, ça. Et du nitra, surtout. Il y a du nitra juste au-dessus de votre tête, hein. Donc, travaillez un peu, hein, pendant que moi je fais rien. On dit qu'on fait ça, hein. C'est un autre bug. Oh, avec les citrouilles géantes, quoi. Citrouille ? Bah oui, il y a des citrouilles. Il y a des trous ici. Il y a du minéral au plat, ça fait... Ah oui. En fait, ça fait des rires de gobelins, les trous ici, presque. Ouais. Je les défends parce que ça m'éclate. Je suis un connard. Ouais, mais des fois, tu peux... Ouais, des loups, c'est pas inutile de les défendre. Ah, tu peux tourner des trucs aussi. C'est rarement tu te trompes sur un loot. D'accord. Un loot bug, donc un... Il y a rien d'autre. Un insecte à pognon. Ah si, il y a de l'or là. Je l'avais pas eu. S'il vous plaît. Si vous avez... Je suis preneur. De quoi ? Ah, il y a de l'or ici, les gars. Impeccable. Travaille un peu Dreamer, quand même. Oui, c'est vrai, t'as raison, faut que je trappe. Ouais. Et puis essaie de suivre aussi. Ah, tempête de. Tempête de sable. Et ça sert à quoi, tempête de sable? J'annonce au cas où vous l'auriez pas vu. Ah oui, ça nous ralentit et on voit moins. J'ai pas vu les indices. Par contre, ce qui est dommage, avec la tempête de sable. Ah, on est en train de te perdre là. Ce qui est dommage avec la tempête de sable, c'est que elle te ralentit dans tous les sens, elle devrait juste te ralentir dans un sens, c'est un peu dommage. Je répète, la tempête de sable te ralentit dans tous les sens alors qu'elle devrait ne ralentir que dans un seul sens et nous accélérer dans l'autre. C'est bon, on va y retrouver, vous êtes content? Ça a du sens ce que tu dis. Ouais, c'est pas con. On peut pas, avoir une tempête de sable dans des tunnels déjà. Oui, alors complètement. Même si, bon après il pourrait faire un trou comme pour la neige, tu vois, nous arnaquer un truc. Mais oui, là on a clairement une tempête qui traverse le sable. Dream, t'es passé par où et comment te rejoins-je? Moi je suis avec Dreamer. Ouais, bah il y a un trou. Il y a un trou, tu le suis. Au pire, ça vous dit pas, on se retrouve genre au cocon Gliffy qui est à... Oui, non, mais attends, ils sont là, bon, regarde, on est tous là. Il est où? Et on est tous là, les gars. Calmez-vous. Non, mais ça dépend en lequel. Calmez-vous. Lequel est? Calmez-vous. Bon, quelqu'un. Ah, sous terre. Qui c'est qui nous fait un trou jusqu'à. Peut-être un driller. Y'a un driller dans le coup. Attends, notre salle avant. Non, non, on a qu'à driller. Ouais, vas-y, drill. Marchez, c'est qu'à driller. Directement jusqu'au Griffith, hein. Ouais, mais par contre, bis pas l'œuf, on sait jamais. Ouais, si, directement. Encore que bon. Ah oui, putain, c'est vrai que ça surchauffe même quand tu creuses pas cette merde.
Un chouïa sur la gauche, ouais, voilà, impeccable. Non, ça c'est sur la droite. Elle est sale, monsieur. Je te brûle, je te brûle. Me laisse pas repasser. Espèce de Jean-Michel touriste là, laisse faire les pieds. Et bah t'as plus de tu. Non, reviens avec ta fang, reviens. Quoi? Il y a une ouverture là. Ah, mais merde, hein. Ah, les mecs ils sont jamais contents, ils me piquent mon taf. Faut savoir, hein. Ça fait du zèle. Ah, y'a un boulou cap assez dur. Attends, parce qu'il y a des grandes. Je faisais pas du zèle parce que t'as vu, y'a une place forte aussi en bas, enfin y'a un espace. Là j'ai besoin d'une plateforme s'il te plaît, Thanatos. Merci, t'es un amour. Là aussi. À ma vie, tu vas réveiller de bestioles là-dedans. Hein. C'est Ah, j'ai entendu faire piou. Y'a un insecte à pognon là. Y'a un insecte à pognon. Il est où l'argent là? Et même. Donnez l'argent des abonnés tout de suite là. Là. Putain, c'est bon, je l'ai fumé. Oh. Pignon bolo. C'est ça que tu veux? Ouais. Si tu peux y arriver, je sais pas où... Ah ouais, si c'est bon. Impeccable. Impeccable. Oh, j'ai une vue d'en. C'est magnifique. Bon bah les gars, on a un autre là, Dreamer. Tu l'oublieras pas. Hein. Oui, un insecte à bolognaise. Et puis je pense que tu peux aller visiter ce trou là aussi, tant qu'à faire. Ce que tu veux dire, ouais, ça m'inquiète quand même. Allez, arrête. Parle comme ça, ça m'inquiète. T'aimerais plus souvent les visiter des trous hautes que les trous des goulots de bouteille, va. Salaud. Tellement le respect est parti en vacances. Il n'a laissé aucun message depuis. Il était où le trou? Ah bah tu regardes, il était dans la roche. Moi je suis en bas, je suis très occupé. Voilà. Je suis un homme très pris, tu sais. Hein. Oui, je suis. Oh, j'ai trouvé l'insecte. Je suis content. Ta vie s'est améliorée maintenant. Ma vie s'est améliorée? Oh bah j'en ai eu un. Comment ça? Comment ça? Waouh. Je vous propose de déclencher les petites saloperies. Ouais. Ça nous arrivera pas pendant la vague. Ce qui était proposé, c'est ce qui est en train de se. Mais je vous ai posté en fait. Vous posez le C4. Pour en reposer un deuxième. Ouais, tu t'appuies sur R. Ok. Est-ce que quelqu'un a besoin que je dépanne un C4? Do you want a C4? Do you need nitro? Hello? Hello bro? Sorry? Je demandais si vous aviez besoin d'un C4 supplémentaire. Allo? Putain, mais Discord en PLS quoi! Regardez, on a tourné le dos, il est déjà inquiet. Non, non, je reviens. C'est parce qu'il y avait un truc qui brillait et je suis allé voir. Eh hey, mec. Oui, oui. Faut mettre des tourelles, mec. Oui. Ah oui, non, mais il s'est vraiment barré à Miami quoi. Il a fait, excusez-moi, il y avait toute la grotte à piller, j'ai pillé toute la grotte quoi. Donc pas besoin de C4 supplémentaires. Non. Attendez, allez, on est parti, j'éclaire un peu tout ça. C'est parti, vite. C4. Je crois que t'étais un peu près du C4. Ouais, peut-être un peu. Non, c'est une illusion d'optique. J'ai aussi pris un grain de sable dans l'œil en fait, et ça pique les yeux. Donc, mais c'est bien, pour l'instant, il est en train de taper sur mon cadavre, c'est une très bonne idée. Ouais. Ah, elle est excellente. Ah putain, celle-là. Attends, c'est pour ma gueule. Allez, hop, super. J'arrive. Ah merci, Bismarck serait heureux. Ça m'a fait plaisir d'avoir toute cette volonté incroyable. Poète. Dangereux ça. Fais gaffe avec ton. Je suis fait encore sauter la gueule. Bien joué. C'est un style. Tu vas être interdit de casse maintenant. Mais j'aime bien jouer avec les explosifs. Allez, explosif. Ah non, mais il me court après. Ah merde. Bon bah je. Eh, je kite. Je kite. Je bait. Je bait. Ouais, je bait. Je joueur qui bait. Je joueur trop bait. Je peux pas dire les gars, mais on l'a vraiment défoncé pour un. Ouais, il a pris. Tiens, il y a de la santé ici. Il y a du sucre. Il y a du sucre. Là. Du sucre. Ouais, voilà. Donc, ce qui sera intéressant, c'est que vraiment cette tempête souffle dans les deux sens. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce qu'on va avancer? Encore formidable. Ça, toi.
Moi je vois que Chi hein. Parti miner dans mon coin. Tu vois, que, tu vois quelque chose toi? Cette phrase est tellement bizarre. Est-ce que tu vois quelque chose Thanatos? Ah, il y a une tyrolienne ici. Bon bah au pire on va au... Merde, c'est pas la bonne. On va au prochain cocon. Oui. Allez là. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises tyroliennes. Il y en a deux en fait en effet. Je pense qu'il faut juste savoir saisir les tyroliennes et... Parce que la vie c'est d'abord des rencontres. C'est ça, avant tout, des rencontres avec des trifides. Enrichis au glyphes du sactif bien sûr. Toujours. Vous êtes une glyphie du sectif bien connu. Eh, ils font une bière à ça hein. Une bière au glyphide. J'espère qu'il n'y a pas vraiment du glyphide dedans, parce que ça doit vraiment être infecté. Moi je suis sûr que c'est super bon. Pourquoi il y a une vieille plateforme là? Il y a une vieille... il y a un connard qui a mis une vieille plateforme au milieu. Vous connaissez pas un personnage un peu con qui fait des plateformes? Oh! Oh, il y avait un insecte à but. Il y avait but. Donne le pognon, bâtard. Oh, il lâche le plomb. Oh. Il y a un rocher isolé en fait et les glyphites sont coincés dessus. Trop bien, bah. Ah oui, ils peuvent pas sauter, ils peuvent pas tomber, c'est trop bien ça. Je sais même pas par où vous êtes passé. Amuse-toi à leur mettre des balles dans la tête. C'est rigolo. Oh yeah. Attends, je vais tuer leur grand frère d'abord. Ok, bah ils sont passés partout, mec. Mais putain, vous êtes peut-être passés en haut, hein. Ah, il y a deux prétos en plus dessus. Et ils sont coincés. Et là, est-ce qu'ils sont? Ah, c'est quasiment identique de la. Bah, on sait pas un dreamer. Je les aime. Putain, mais plus moi, ça va, en train plus de me casser les doigts. Ah non, c'est bon. Peut-être pas, j'en sais rien. Je sais plus. Attends, je te suis parce que si t'es perdu, je te fais un tour sur Dream. Viens, viens voir Dream. Regarde ça. Alors, Attends, je suis empouillé à m'occuper. T'as des copains. C'est bien, on trouve la même grotte en boucle. Trop stylé. Ah bah tiens, ce qu'on peut faire, il y en a un d'entre vous qui peut appeler la mule, la Dreamer appelle la mule tout de suite. C'est parti, on part en voyage Thanatos. Ouais, ouais je vous suis, c'est ce que je m'étais dit. Les vraies techniques hein. Bah oui. Bon il y avait cette technique là, puis après creuser tout droit comme un demeuré aussi. Moi j'aurais dit les vrais feignasses mais bon. Ouais. Ça, pour un driller normalement. Vous êtes parti, vous nous avez pas dit. Oh, ils sont partis en chien. Eh, hey, ils ont des spawns. Ah bah je crois que ils ont, j'ai trouvé en tout cas votre caillou avec des glyphidus actifs dessus. Ouais. J'ai envie de tirer dessus. Non attends, il faut les garder en réserve, on peut peut-être faire des choses rigolotes avec. Je sais pas encore comment quoi, ça des choses rigolotes. Ah ça sent le truc dégueulasse, il y a 4 glyphides, on est 4 nains. C'est quoi tes idées? Explique-toi tout de suite. Déjà je vois pas pourquoi on partagerait pas tout, on est frères ici dans cette ville. Vous êtes parti en. Ouais, mais enfin, eux ils sont pas trop frères, ils sont sœurs, hein. Je crois que c'est. Bon, Dream, viens ici. C'est des femelles, ça, non? Il va falloir appeler un ravitaillement. Ah, vous en avez appelé. Glyphide prétorienne, ouais, c'est des femelles. Qu'est-ce que tu veux faire avec des femelles prétoriennes? Hein? Hein? À vous? Tu veux faire, c'est des femelles. Ah, ouais! Bah, oui, c'est des femelles prétoriennes! C'est des prétoriennes! C'est stylé en fait! Bien ouais, c'est stylé, moi je trouve que ça fait un peu collection de glyphides. Clairement, en plus si ça se trouve, il y a un cap. Par contre, je peux faire mon connard et tirer un C4 là-dessus et lol. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Mais non, parce que sinon ils vont faire, sinon ils vont tomber et on pourra plus les éclater. Mais passons, si tu veux rentabiliser ces C4 là. Oui. Il va tomber le machin. Voilà. Mais non, je voulais faire un C4. Voilà, tu laissais les cramer au lance-flammes et ça marchait très bien. Jean-Michel Connard. C'était aussi spectaculaire que le mec, la grenade que j'ai lancée. La grenade que j'ai lancée, c'était beau parce que ça a fait comme un feu d'artifice. Ta sœur, c'est un feu d'artifice aussi. Donc c'est un feu d'artifice. Ouais, c'était beau. Waouh. Wow. Vous êtes trop fan de Michael Bay hein, dans ce groupe, hein. Ça veut rien dire. Quoi tu perds? N'aime pas les explosions. Et sinon, ça vous emmerderait de faire votre travail, Dreamer, au taf. C'est pas possible ça. Déjà, il a mis peut-être mettre des plateformes quand même. Hein. Bah, arrête hein, là t'y accède hein, sans plateforme. Il m'a fallu 3 heures pour arriver chez merde, ça c'était une grenade. Bien fait.
Je me suis fait un petit drop de grenade, c'était quand même le style. Ça fait un peu pour 7 champignons. Ouais, Bolo, c'est le truc que prend Dreamer avant de courir en rond dans la salle des Boris. Bon, il y en a un qui avait appelé la mule, il peut la rappeler. Hein. Pouette, 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 il y a un truc là-bas à récupérer, éclaireur, chien, esclave, dreamer, tout de suite, au boulot, Schnell. C'était horrible. Il y a une relation de domination dans ce truc. C'est un peu le soumis en fait. Ah, je suis tombé sur un autre bug. Ah, le problème de Dreamer, c'est que si tu l'engueules il t'oublie, tu vois. Il commence à. Il voit un caillou, il renifle un diamant et puis il se barre quoi. Il se barre à Zanzibar, il se barre sans son slibar et bref, il te laisse en galère quoi. Bon, j'ai mis une plateforme là où il y avait du nid. Dreamer par là en fait. Il y a vraiment un truc à prendre. Hein. Ah à l'occasion, là-bas. Là où je ping. Ah, il y a un truc à prendre un jour. Le problème, c'est que malheureusement, tout est super en hauteur, c'est chiant. C'est pour que Dreamer se sente utile. Il est où? C'est vraiment pour valoriser. Le truc là-bas, en fait, t'as une grotte par là-bas, avec, tu sais, un œuf à sortir du mur. Et par contre, là, t'as explosé un truc, mais tu n'as pas. Il reste un nitrate. Un œuf à faire sortir du mur? Ouais. C'est Driller, c'est toi qui me dis ça, tu vois. Ouais, non, mais c'est vachement hauteur, tout ça, ouais, c'est du sable, fais pas chier. Travaille un peu quoi. Putain, mais j'y crois pas. Oh, moi non plus, hein, j'y crois pas. La pain pourrait pas. Je rappe tellement. Foutage de gueule. Ouais, mais c'était vachement haut, hein. À plein de falaises. Au péril de ma vie. Que c'était une mission pour un éclaireur. Oh, ça marche. Ah non, ça marche. Eh, dis donc, les gars, ça fait longtemps qu'on s'était pas pris une vague. Bah. Ah. Ah, ça marche plus. En général, quand je dis ça, j'en. Ça devrait pas trop tarder. Ouais, surtout que je suis loin en plus. Bon, j'ai envie de déclencher l'op du coup. Ouais, mais je suis pas là. Ah, il s'est embêté. Alors. Thanatos, tu es très isolé. Ouais, je le rends. Tu ne peux pas courir de grande distance avec l'Angie, ou ça m'inquiète. Tu dis ça parce que c'est un nain. Je dis ça parce que c'est un nain qui a des petites. Il a pas de. Grappin de la. Ça rame tellement, ça rame de ses mains. Ah. Vous le faites tomber votre glyphie du. Ouais, oui, mais on attendait de tout se rassembler, on a besoin de toi d'abord. C'est la prochaine zone hein, là-bas. Are you ready? Non. Bah non, pas vraiment. D'ailleurs, je vous propose tous de descendre. Ah bah attendez, faut que peut-être que je lui mette un C4 sous le fion, ce con. Non? Il va tomber, non, hein. Non, ça va non. Pas être, non, ça va tomber. Ok, je voulais gérer, de toute façon, moi je sers à rien. Bien connu. Et on va par où du coup? On se bat en bas, on va pas. Dreamer, est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'éclairage? Oui, est-ce que tu serais genre un mec comme ça quoi? Tu serais un mec qui pose des spots. Partir à l'autre bout de la map et qu'on a le dos tourné. J'arrive. Ah, il s'est barré encore. Allez, il a pas pu s'empêcher de se barrer. Il est incroyable, hein. Magique, la prochaine zone, j'ai fait la prochaine zone, c'était la. T'es vraiment n'importe quoi, hein. Bon allez, hop, je vais mettre une. C'est parti les copains. Putain, ça va être très dur. Ça va être long. Attention. C'est passé juste devant le. Resupply arrived. Ready to kill some more crates. Ready to blow. Je me suis fait sauter. Je suis trop content. J'ai réussi. J'ai réussi ma vie. En train de mettre en place une espèce de tradition ou comment ça se passe? Mais c'est ça. Mais... ou un running gag, je sais pas. Il y a un C4 encore à faire péter.
Ouais, je sais, mais il y a des nains autour. C'est un principe que t'avais pas compris. D'accord. On voit si on me dit rien aussi, hein. Oh, bien joué, mec. T'es courageux. Hop là. Bon, j'espère que les nains sont écartés. Ouais, à part. On fait gaffe avec ça. Ah, il l'a touché, t'es bien joué. Hey. Voilà. Vive les États-Unis de l'Amérique. Ah ouais. De l'Amérique. Oh, USA fuck yeah. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 ouais. Bon, allez, on se casse. Bon, bah, la prochaine zone là-bas. Putain, DRG, c'est vraiment un jeu fait par des ricains. Hein. Y'a pas à dire. Tu niques la nature. Et puis tu défonces tout ce qui se présente. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Avec version non. Parce que, bon, après tu dis, bon, tu défonces tout ce qui se présente, mais c'est pas exactement vrai. Je veux dire, les Américains, c'est avant tout un pays libre, qui se sert librement des ressources d'autrui. Voilà. Donc, c'est pas juste un pays destructeur comme ça, quoi. Parce que juste un pays destructeur, ça s'appelle la mère patrie. Et c'est la Russie. Vous savez, c'est quoi la différence entre un Russe et un Américain? Allez, y'en a qui a une idée quand même. C'est quoi la différence entre un Russe et un Américain? De tout. Mais non, mais ils sont exact. Partis où, les gars? Ils sont exactement pareils. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui boit de la vodka, l'autre du whisky. Oh, putain de merde. Rigolo. Hein? Elle est où la capsule? Ah, je suis en train de me faire violer le cul! Au secours! Je fais des hurlements viril et musclés, vous noterez. Moi je suis en train de m'agresser des Mactera, des trucs qui explosent, des merdes et des saloperies dans une caverne, mais sinon j'arrive. Je crois que je suis le seul à avoir suivi vraiment la mule, quoi, comme un con. Moi j'observe les nuances de couleur du sucre rouge sur le mur. Ouais, j'observe 50 nuances de grès. Mais quoi, le sucre rouge. En fait. Ah ouais, merde, la marche est vachement haute en plus là. Ah, hop là, j'ai trouvé la mule. Moi j'ai trouvé, bah je vous ai retrouvé, bah je suis con. Moi pas. Mais je suis plus qu'à 100 mètres, ça va. Quelque part, bon deal. Ça spawn. Oui, je confirme. Moi je peux passer par là, je crois, de mémoire. Ça va se finir par je vais creuser tout droit parce que ça va me gonfler. Voilà, allez. C'est une bonne technique. Ouais. Ah, il est ouvert le travail. Oh, qui rame du cul. Merde. En vrai, tu peux creuser en ligne droite, hein. Viens vers nous. Ouais, ouais, c'est ce que je suis en train de faire tranquillement. Mais le problème, c'est que je me fais agresser par des saloperies. En tout genre. Parce que je me tape une vague entière d'enculés. Ah, River. Une vague entière d'enculés. Ça fait tellement plaisir. Je te regarde croiser, petit. Je creuse vers toi, c'est un point. Je suis le seul qui reste sur son petit. Bah, il faut vraiment que tu sécurises le point d'entrée parce qu'on va avoir plein de. Oh, Dave! J'ai quasiment plus de vie. J'arrive, mec, là. Ça va, le jeu est cool, il m'a balancé juste une vague, là c'était mon troisième Glyphid ou quatrième Glyphid au Glyphid du Sanity, c'était génial. Oh non, non, au secours, venez m'aider. Non, j'arrive. Oh, je peux voir à travers l'espace et le temps quand Fritzy saute. Je me suis pris un truc au travers du pote, je suis dégoûté. Ah, ça sent la tempête de... Mais remonte, remonte. Pas trop le mot. Vas-y, remonte, remonte. Remonte en hauteur. Mais, mort de rire, tu plaisantes là. Ah non, j'ai cru qu'il me reste par en dessous. Comment ça se fait que je me fais pas plus que ça. Si ça spawn dans le tunnel, je vais avoir des problèmes. Il y a un glyphite de l'autre côté. Hein. Ouais, j'ai cette fraise. Oh merde, il peut me vomir dessus. Ouais, ouais, bah à travers les murs, bah tu sais que c'est des cheaters. Hein. Ah ouais, non, tu sais que c'est des cheaters. Ouais, je crois que.
Ah, par contre, il y a le gaz toxique qui m'empêche d'approcher. Oh, bon, bon patient, hein, TKT, on a tout le temps. Il y aurait pas un deuxième type derrière d'ailleurs. Allez, mec, après tu cours dans mon tunnel parce qu'on a pas le temps là. Ok, tunnel. Ah oui, tunnel. Ok, c'est parti. Tu cours dans mon tunnel, c'est pour une allusion. Ah non, c'est. Oh là, Dribber, quoi. Mais range-toi ta bouteille là où je le pense. Au secours. Bon, il reste 37 secondes. Alors oh, comment tu. Eh, mais comment il nous tire dessus, l'éclaireur, quoi. Bah, maniez-vous le cul là. Le mec, il est belle mentalité, quoi, tous les jours. Un stage héroïque et tu me fais récompenser par un tir de fusil. Ouais, mais toi, c'est normal, c'est parce que le mec est comme ça. Merci, Petiti, hein, parce que Dribber n'a jamais bougé pour sauver un frère. Ouais. Lui était en train de se curer le nez. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, ça se verra. Autant le mec il bouge pour aller ratisser le pognon, autant pour aller sauver un pote, non, ça vaut pas de pognon, quoi. Les potes, ça vaut pas d'argent, quoi. Qu'est-ce que l'amitié finalement? C'est ça, enfin. Oh, c'était rigolo. Niveau 19. Ouais, des bisous, ton tube, hein, .fr, .com, et puis si tu veux voir les entre-deux émissions à la con avec des nains qui disent de la merde, c'est sur DreamH27 chez sur Twitch. Ouais, des bisous. Exactement. Bisous.